Alors les amis, je vous le rappelle, le programme est complet. Donc allez voir journéeagile.be sur le programme, vous verrez tout ce qu'il y a de disponible. La keynote qui aura lieu ici le matin avec Jürgen Appello, entre autres, et plein d'autres sessions. Donc on a 4 salles en parallèle, donc celle-ci et 3 autres salles que je vous montrerai juste après dans la vidéo. Alors au registre des festivités, vous aurez droit à un concert en clôture de la journée agile par Epolo, qui est un créateur d'ambiance festive à la voix chaleureuse. Donc c'est comme ça qu'il se définit, et moi je l'ai déjà entendu chanter, franchement, c'est très très chouette. Dans un registre un peu plus sérieux, nous nous sommes associés à la fondation Oncidium, qui organise un challenge. Donc le challenge consiste à parcourir ensemble 5000 km. Alors pas tous ensemble évidemment au même moment, mais chacun dans son coin. Vous pouvez activer votre application genre Strava ou Atlas Go ou autre application de comptage de pas. Vous marchez, vous courez, peu importe. On a créé une équipe Journée Agile sur le site du challenge. On additionne tous les kilomètres que tout le monde a parcourus et on essaye d'atteindre les 5000 km. Il s'agit bien d'une fondation, donc l'idée c'est de s'inscrire comme vous le feriez pour le Télévis. Vous vous inscrivez, vous payez 20 euros la participation, vous pouvez mettre plus si vous voulez faire un don à la fondation, et vous essayez de parcourir vos kilomètres dans la joie et la bonne humeur. Au rayon des sponsors, cette année, nous comptons 4 sponsors, donc Pixis, Wimanity, Arexo et EVS. Vous pourrez les remercier, les liens sont en dessous de la description de la vidéo et dans la newsletter. Donc maintenant, accrochez-vous, je vais vous faire une visite du centre, c'est parti! Notre équipe d'accueil sera postée ici. Vous pourrez emporter vos petits goodies et vos accès à la journée agile. La suite se passe au-dessus. Et là, l'accès à la grande salle. Je serai sur la scène pour vous accueillir. C'est ici que s'achève cette petite vidéo de visite du CME, donc le centre qui nous accueillera pour le 6 mai. Comme vous le voyez, les places n'attendent que vous. J'en profite, tant que vous êtes là, il doit y avoir un bouton quelque part pour vous abonner. N'hésitez pas à le faire, la petite cloche, comme ça vous restez au courant des nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Partagez ce post s'il est sur LinkedIn, Facebook ou votre newsletter, vous l'envoyez, comme ça les gens voient cette vidéo. Quant à moi, je suis très heureux et très impatient de vous revoir. Et je vous dis au 6 mai. Salut !